comment s'est passée la semaine de Mario Balotelli. Il est disponible. Ça s'est bien passé. Ouais. C'est bien passé. On a pu se demander un petit peu après son expulsion à Lorient, dans quel état d'esprit il pouvait être, est-ce qu'il avait lâché ou pas. Vous le sentez toujours concerné? Bien sûr, il n'y a, pas de problème, il s'est bien entraîné. On a eu 3 entraînements début de semaine, mardi, mercredi. On a eu 3. Mmh. 3 entraînements, voilà. Les principaux entraînements, quoi. Aujourd'hui, c'était un peu relax, voilà. La semaine avant, c'était bien entraîné aussi. Vous l'aviez trouvé bien dans l'esprit et dans le jeu. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y a un casse-tête devant oui. Donny, ça a été performant à l'extérieur, notamment quand il entre en jeu. Ça a été le cas de Le Bihan aussi. Est-ce qu'il faut faire démarrer Le Bihan d'entrée? Est-ce que Balotelli... Ah, bah, c'est des questions, ça, bien sûr. Il faut se poser la question. C'est un vrai casse-tête? Pour Donny, non. Non. Vous avez déjà la réponse? Dans votre esprit? Oui. Dans votre esprit, donc. Non, mais il a déjà répondu pour moi. Non. Ah, je vous ai dit oui. Justement, Miguel. Non, mais oui. Non, allez-y, allez-y. Laissez parler votre esprit. Non. Oui. Non, les questions. Allez-y. Bah, justement, Miguel, le bien, comment s'est passée sa semaine? C'était la belle histoire de vendredi. Voilà. Ouais, tout à fait. Il revient de très loin. Pratiquement 15 mois, on m'a dit même plus. Sans jouer, donc il sait très bien qu'il doit revenir progressivement. Et puis c'est une question de rythme, quoi. Mais il a bien joué les 30 minutes qu'il a passé sur le terrain, et il met 2 buts parce qu'il se démarque bien, il appelle bien en profondeur, et il y a eu des belles passes aussi là au bon moment. Et puis voilà, maintenant on verra. Quand émotionnellement on vit quelque chose d'aussi fort, est-ce qu'il n'y a pas le risque justement après que ça redescende d'un coup? Oui, bien sûr, ouais. Bien sûr. Il y a une bonne semaine là, et puis il s'est aussi bien entraîné. Maintenant, c'est que sur la fin, il faudra bien gérer ça, quoi. D'où le casse-tête peut-être? Non. Pour lui faire attention, vous l'avez dit. Oui, tout à fait. Tout à fait. Il est bien, il se sent bien. Et puis, quand on rentre comme ça, c'est assez rare. Premier match, vous rentrez une demi-heure, vous mettez 2 buts, vous faites gagner l'équipe, c'est assez rare. Alors, il y a vraiment beaucoup d'émotions à digérer, ce qui est logique. Selon vous, c'est prématuré pour démarrer un match de Ligue 1, le concernant, ce serait aller trop vite pour vous? Il y en a encore 11, donc il va en démarrer, hein, forcément, envers lesquels, quoi. D'accord. On a le sentiment qu'il a un peu plus répondu à vos attentes, un peu comme Alassane dans la générosité. Il a fait des appels, il s'est rendu disponible, il a un peu plus que ce que fait Mario, par exemple. Oui, c'est ça, il les a bien fait la demi-heure auquel il a participé. Et puis surtout, il marque, quoi. Il est efficace devant. C'est un vrai buteur? Non, pas rien que ça. Non, pas rien que ça. Il peut bien jouer avec l'équipe. Il vous a apporté un petit peu ce que Donis a eu du mal à faire, ce liant. Donis, il est plus. Je vous avais parlé de Donis la veille du match ou l'avant-veille. Et voilà, il est aussi peut-être plus à l'aise sur le côté des fois, mais bien écarté, comme ça. Et puis, on essaye de faire en sorte qu'il fasse des progrès aussi comme avant-centre, parce que des fois, c'est très utile. Voilà, mais il est plus axé quand il a le jeu devant lui, quoi. Voilà. Ce serait pas mal s'il pouvait jouer 30-30-30. C'est difficile vis-à-vis des autres, parce qu'on ne peut plus faire de changement après. Alors, ils ont trois profils qui... Oui, mais voilà, c'est comme ça, puis c'est tout, c'est bien, il faut s'adapter. Mais pour Le Bihan, non, il peut mettre des buts, mais il joue aussi, il joue bien en déviation, il peut garder la balle, etc. Voilà.